Si tu aimes le contenu et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Le petit pouce aussi! Salut les gens, c'est Cosplay, nous voici de retour sur Outer Wilds. Et on se réveille une nouvelle fois sur Atrebois. Notre dernière expédition nous avait mené à Cravité. On a pu explorer la forge de l'étoile noire. Dans du trou noir, l'étoile noire c'est dans notre univers. Et donc on a pas mal complété cette planète, mais il me reste encore un truc que j'ai pas pu accéder, c'est la tour du savoir. On s'était posé à son sommet la dernière fois, et on ne pouvait pas rentrer dedans. J'ai envie d'enquêter là-dessus. Ah, gravité est là, nickel. Ah bah justement, il y a la lune quantique. Il me semble que la tour du savoir justement concerne la lune quantique. Donc il manque qu'elle soit là. C'est un signe. Donc nous voici de retour à la tour du savoir. Visiblement elle porte sur la lune quantique. Est-ce qu'on peut avoir des indices? Des symboles qui représentent les planètes. Très bien. Ah, ces deux planètes sont côte à côte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord. Je sais pas ce que c'est que ce symbole là. Oula! C'est moi qui ai fait ça? Je pense pas, hein. Non. Ah bah c'est peut-être la lune quantique. Elle était autour de Cravité, mais elle était autour d'autres bois. Donc là, elle serait autour des sablières. Est-ce qu'on peut le voir, ça? Sablière, sablière, sablière. Non, elles sont... Ah bah, elles y est plus. D'accord. On capte les instruments de nos collègues. Ah, Atrebois. Atrebois, il est où? Il est là. Effectivement, elle est à côté d'Atrebois. Pas mal, pas mal. Fluctuation quantique, donc c'est bien elle, ouais. Oula, c'était quoi ce truc? Donc on peut savoir sur quelle planète elle orbite grâce à ça. Très bien. Très très bien. Mais je pensais que le symbole quantique c'était ce truc là, moi. Donc on avait vu dans le centre d'observation que ça bougeait dans tous les sens, ce truc. C'est un mystère. Donc cette tour là parle de la lune quantique. Et à chaque fois qu'on exploite quelque chose dans cet univers, on l'a fait dans le mauvais sens. Je pense pas que ce soit qu'on soit nul, hein. C'est juste que bah on est obligé de faire comme ça. Donc je pense que pour accéder à cette tour du savoir, il va falloir passer par la lune quantique. Moi fusée là, bon après est-ce que ça vaut le coup que je regarde où elle se trouve avant d'y aller, parce que bon, à mon avis elle aura bougé. Tout simplement, elle est autour de Sombre Ronce. Ok, bah, de toute façon en tous les cas elle aura bougé d'ici là. Ah, trouvé, elle est effectivement autour de Sombre Ronce. Donc comment on peut faire? Parce que le problème c'est quand on s'approche d'elle, elle disparaît. Donc je pense qu'il faut que j'envoie un drone dans sa direction. On va essayer de se rapprocher d'elle sans la perte de vue. Et sur la perte de vue c'est fini. Comme ça le drone continue de l'observer pendant que moi j'essaie de... à demi poser tout simplement. Là, par contre j'arrive trop vite. Non, on va la perdre de vue. C'est bon. C'est pas simple, hein. On va se demander un petit coup de main du... c'est automatique. Alors je sais pas comment faire. Est-ce que si j'envoie une sonde ça marche? D'accord, allez, on sait pas où elle est. Elle sait pas non plus où elle est. Le problème c'est que la sonde il faut qu'elle photographie la lune quantique, voilà. Le temps que je m'approche d'elle. Donc si je fais ça et qu'après je lui demande de photographier à l'envers, là c'est comme ça. Bon, on tente. Ça va peut-être pas marcher, mais bon. Oui, ça a marché! On est dessus! Eh ben. C'était laborieux. Alors je ne veux pas trop bouger parce que j'ai endommagé ma coque. Mais je pense que ça valait le coup. Je se répare. Hein. J'ai pas envie que la lune disparaisse sans moi. C'est où que j'ai cassé? C'est ici? Ça va, y'a rien. On est dans un endroit qui est partout à la fois et nulle part en même temps. Un peu perturbant. Je sais pas si d'autres explorateurs ont réussi à aller. Je sais qu'il y a une navette normalement dessus parce qu'on pouvait la rappeler. Donc il doit y avoir une navette quelque part. Oh! Il y a une installation Nomai. Donc les Nomai ont déjà exploré ce lieu. D'accord. Ça m'étonne pas, hein, en même temps, ils ont tout exploré. C'est un lieu qui est à moitié enseveli, non? Ah, ils ont un observatoire pour savoir où aller. Là, on est autour de Sombre Ronce. Ah, et peut-être pour accéder à ce truc-là, en fait, il faut utiliser la lune comme véhicule. Quand elle sera autour de ça, on sort et paf, on est à côté de...
de cette entité qu'on ne connaît pas. Oh, c'est intéressant. Vous êtes souvenu que de la règle de l'imagerie quantique? Eh ben ouais, qu'est-ce que tu crois, mec, hein? Souvenez-vous de la règle du sixième emplacement. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas ce que c'est que la règle du sixième emplacement. Souvenez-vous de la règle de l'intrication quantique. De quoi ça parle? Ça parle de différents trucs, d'accord. C'est lié à ça, ça c'est quoi ça? Je sais pas du tout ce que c'est. Une sorte de tour. Ça, ce truc là, je sais pas non plus ce que c'est, on dirait un truc écrasé, c'est peut-être un vaisseau nomaille. Et ça, c'est la tour du savoir, justement. Et ils disent quoi pour la tour du savoir? Souvenez-vous de la règle du sixième emplacement. C'est lié à ça, alors. On peut choisir où la lune va aller? On contrôle la lune? Non. Ça serait étonnant. Ah, d'accord, la tour par laquelle j'étais, elle est aussi quantique. Avec tout est quantique, d'accord. Oh, la navette. On peut aller dedans sans risquer de se retrouver déplacé contre notre gré. Ah oui, on peut repartir, hein, mais non. Qu'est-ce que ça dit? Je suis après avoir contemplé l'errance dans les cieux. Ça, on l'avait déjà lu normalement. Ouais. Y a pas de raison que ça ait changé de la dernière fois. Atterri au pôle sud de la planète, on sait pas pourquoi, mais elle accueille toujours les visiteurs par le pôle sud, ça on sait. Là, je suis au pôle sud. Et elle a un petit trou noir dans la navette. Mais je pense que c'est pour rappeler la navette en fait, ça c'est pas pour se téléporter quelque part. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres structures intéressantes? Parce que le problème c'est qu'elles vont toutes disparaître, la navette est déjà partie. J'ai mal à la tête. Ça va être compliqué d'explorer la... Si on va au pôle nord, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au pôle nord? Vu qu'ils disent que le pôle sud c'est par là où on arrive. En plus l'air est respirable hein, sur cet astre. Visiblement, tout va bien. Un peu glacé. Ah, il y a une sorte de monticule. De ronce. Ça, c'est la tour par laquelle je suis déjà... Ouais. Je suis déjà allé, hein. On sait déjà ce qu'il y a dedans. Ça nous dit où on se situe. Est-ce qu'on a bougé? Non, on a toujours pas bougé. Peut-être qu'il y a des trucs de ronces dessus parce que justement elle est à côté de sombre ronce. Donc elle changerait de physionomie en fonction de la planète autour de laquelle elle est. C'est possible ça. C'est possible et j'ai envie d'essayer. On sait, il faudrait que je me repose sur elle quand elle est en orbite autour d'une autre planète. D'accord, d'accord, parce qu'elle a peur de bouger de planète quand on est dessus. Bon, par contre, on a peut-être dû faire ça. Non ! Ça, c'était très bête. Ça, il fallait pas faire ça. Elle est où maintenant ? Je rigole. Ah, je peux pas savoir. Bon, au moins, il fallait tester. C'est quoi ça ? Puis, on peut explorer son moron si on est à côté. Ah, mais c'est ma fusée, ça ! Ma fusée aussi a été larguée comme ça. Bah, pire, je peux essayer de la rejoindre. Ah, par contre, faut pas que je me loupe. Voilà, pas de stress. On récupère notre vaisseau, tranquille. Voilà. Eh ben, que d'aventure, mais notre drone est toujours sur place normalement. Est-ce qu'il peut faire les photos? Non. Voilà, il est là. Il a été téléporté ailleurs, ou c'est moi qui l'ai peut-être rappelé, je m'en souviens plus. Bon, il faut qu'on retrouve cette lune quantique, histoire de voir si elle se change en fonction de l'astre autour duquel elle tourne. Elle est en orbite autour de gravité maintenant. Et nous voici. Donc que faire déjà? Il faut que je lance ma sonde à côté pour pouvoir la prendre en photo. Voilà. Hop, en mode marche arrière, voilà. Et moi pour ça je me pose. Voilà. Oula, par contre à chaque fois c'est compliqué. Hein. Et effectivement elle a changé d'apparence. Elle ressemble plus à gravité. Et j'ai encore une fois cassé un truc. On va aller réparer ça. Par contre j'ai pas mis ma combinaison. Faut pas que j'oublie parce que ça peut être vite fatal ça. T'es cassé, qu'est-ce qu'il y a d'autre de cassé? C'est tout? Au pire, on verra après. Alors, à quoi ça ressemble quand on est sur gravité? Est-ce qu'elle cache un mini trou noir en son sein? Elle aussi. Est-ce qu'elle n'aurait pas accès justement à la tour du savoir vu qu'on est sur gravité? On parle de la règle, je sais pas quoi là. La règle, c'est quoi déjà? Du sixième emplacement. La tour de gravité, très bien.
Je me souviens de la règle de l'imagerie quantique, donc ça c'était pour accéder. Mais ça, je crois que c'est la tour quantique que j'ai déjà faite en fait. Et ça, souvenez-vous de la règle de l'intrication quantique, c'est-à-dire qu'on peut être à plusieurs emplacements en même temps. C'est un rocher, d'accord. Ça, c'est la règle du sixième emplacement, ça je me souviens pas du tout de ce que c'est ça. Sixième emplacement. Bon, on va explorer un petit peu, voir si ça cache quelque chose. On est au pôle sud, comme d'hab. Si je remonte trop, je me fais expulser, donc on va peut-être éviter quand même de faire trop de sauts. Ah, on a trouvé la navette. C'est mon vaisseau. À part ce chemin, je peux pas faire grand-chose d'autre, hein, j'ai l'impression. On est dans une sorte de canyon. Oh, c'est quoi ça? Une sorte de corps à côté de mon vaisseau. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, ce que je veux, c'est la fluctuation quantique. Le temps, il est dessus, donc ça peut faire que ça, c'est sûr. Ça, c'est quoi, base de détresse? Non. Oh, bah non, on peut rien faire avec. Mais il y a un cadavre de Nomai. C'est la tour qui nous dit où on se trouve. Bon bah j'ai fait plusieurs fois des allers-retours ici mais y a rien de nouveau. Hein. Plus je prends de plus en plus de risques en faisant des petits sauts comme ça. Donc je vais lire mon journal de bord. Qu'est-ce qu'il me dit maintenant sur la lune vu que j'ai... Non c'est pas ça que je vais faire, c'est ici, voilà. Donc j'ai découverte. Tac, lune quantique. Oula. Dessus. Wow. Sixième emplacement. Bah oui, c'est quoi cette histoire de traceur lunaire? Ça on l'avait déjà vu, ouais. Sixième emplacement. Parfois une quantique disparaît, peut-être pour se rendre à un sixième emplacement inconnu. Ah. Donc c'est le symbole chelou qu'on a vu dans, dans la tour. Hôtel quantique, un hôtel Nomai errant dans la lune quantique. Vous êtes soutenu de la règle machin, ouais. La règle sixième emplacement, voilà ce qui est écrit au côté d'une peinture murale présentant une tour suspendue au-dessus d'un trou noir. Oui, bah oui, mais il faudrait qu'on y aille, on sait pas comment. Une peinture représentant un roc quantique dans une grotte. Ouais, ça on l'avait déjà vu, je crois, ce roc quantique. Peinture murale présentant une tour sur une île. Ça, c'est ce qu'on a déjà exploré. D'accord. Navette machin. Une maille du nom de Solanum vint sur la lune quantique à bord d'une navette. Elle est morte, du moins. Et atterrit au pôle sud. Elle se prépare à effectuer le reste de son voyage à pied. Elle a dû se rendre sur la lune quantique et arrive toujours au pôle sud pour une raison qui échappait aux nomailles. D'accord. Et une quantique en elle-même, j'ai trouvé un nomail décédé dans une condition astronaute près du pôle sud. J'ai réussi à atterrir sur la surface de l'une quantique. Ok, donc il ne reste plus qu'à trouver une... C'est quoi cette histoire de 6 emplacements? Et ce serait lié à la tour. La tour du savoir quantique. Et le bois quantique, c'était où? J'ai trouvé un poème écrit sur l'un des arbres de ce bois. Je crois que c'est sur Atre Bois. Il reste des choses à explorer ici. D'accord, bah il faudrait peut-être que j'aille voir. Et nous voici de retour sur Atre Bois. Alors par contre, je sais pas du tout, et le bois quantique, c'est ce truc-là, il y a de la fumée. Waouh. Il n'est jamais allé ici, je me souviens plus. On n'a jamais visité notre propre planète, en fait, hein. Donc j'y repense. On est vite parti à l'exploration de tous les autres astres, mais... On n'a jamais visité notre propre planète. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que j'aurais peut-être dû faire le plein de carburant avant de descendre. Oh. C'est un morceau de sombre ronce, ça? Carrément. Chalut. Salut petit Pierre. Je croyais que tu... Oula, il y a un accent lui. Salut petite Pierre, je croyais que t'envoyais ton tas de ferraille dans l'espace aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais encore là? Moi, j'ai vu un truc s'écraser à l'horizon et les images envoyées par mon petit guetteur sentaient pas bon, alors j'ai essayé de venir y jeter un œil en personne. Alors c'était quoi? Je sais pas ce que c'est au juste, on dirait un genre de graine. Mais j'ai encore jamais vu ça sur Atrebois. Et crois-moi, j'en ai eu du pays, de mon temps. Tu crois que ça vient de l'espace? On dirait un truc qui vient de son ronce. En tout cas, ça traîne pas pour planter ses racines. Hein. J'aime pas la tête de ce truc, petite Pierre. Ça, c'est sûr. Je vais demander à Marne et Al de s'en occuper. On devrait se débarrasser de ce truc vite fait. Rien de tel que les forestiers pour retenir les... Ah, pour retirer les mauvaises herbes. Je vais quand même d'abord vérifier s'il y a des... ce qu'il y a dans la graine. Je vais pas les envoyer s'occuper d'une plante potentiellement dangereuse sans savoir ce qu'il y a dedans, d'abord. Tuf. Tuf. Tuf peut m'aider à transporter le vieux lance-gritter jusque là.
Cette ouverture est trop fine pour faire passer quelqu'un. Et de toute façon, je vais pas coller mes mains dans un truc aussi répugnant que cette graine. C'est un coup à y perdre un bras ou deux. Ouais, je suis d'accord. Bah, je peux le faire au pire, j'ai un lance-gatter, moi. Regarde. Erreur signal en double. Ah, c'est un portail qui mène à Sombre Ronce? Non. Il y a à la fois dans cette graine-là et à la fois dans Sombre Ronce, c'est ça? Ah ouais. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est posé. D'accord. D'accord, d'accord. Bah super. Et si je passe par là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est quantique aussi cette histoire. Hein. Bah super. Cette saleté de graine a fait se cracher. La sacrée dégâts en s'écrasant. Jamais vient de car... Quoi, j'ai cratère, je peux le temps dire. Cette graine ne provient jamais. Ne provient vraiment pas d'être bois. J'ai envoyé une petite guetta. Ouais. J'ai envoyé un petit guetta dans la graine. Ah, t'as fait ça. Et tu dis que c'est plus gros dedans qu'en dehors. Ouais. Ça va être une vraie plaie à tailler en pièces, ça c'est sûr. On peut se débarrasser d'une graine qui a même pas la politesse de faire la même taille partout au moins. Je vais prendre une hache en plus, au cas où. Même trois, tiens. En même temps, ouais, ils ont deux bras. Ok, ok. Bon, bah. Sinon, je peux lui dire quoi d'autre? Ouais, vraiment pas notre bois. Dans ma jeunesse, j'explorais dans le recoin de notre bois, et vu tout ce qu'elle avait à offrir, voire plus, crois-moi, on n'a rien de ce genre. Non, si ce truc vient de quelque part, ça doit être Sombre Ronce, petite pierre. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. On sait pas ici le bois quantique, mais quand même, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de quantique dans l'air. C'est quoi ici? Ah, un truc pour se téléporter. En même temps, c'est vrai qu'on est dans la liste aussi, nous. Tac. Il a bien fallu qu'on trouve des trucs nomailles avant de partir à la conquête de l'espace. Ils sont venus sur notre planète avant. C'est joli ici, en tout cas. Ça mène où? Waouh, mais c'est superbe. Pourquoi ne suis-je pas venu ici avant? C'est superbe, mais c'est surtout en ruine. Ça mène derrière la cascade, d'accord, on va essayer d'y aller. Caverne derrière une cascade. Oh, c'est pittoresque. Avec les geysers, ça, on a déjà vu des geysers sur notre planète. Site minier 2B. Bon, je crois pas que ce soit lié au quantique, mais bon, quand même, allez voir. Mais c'est un truc de dingue. Genre, y a personne ici à part moi. Y a un corps nomaille, on l'aurait pas laissé là comme ça si on était déjà venu. Notre planète est creuse elle aussi. Mais what? Est-ce qu'il y a pas un risque quand même que l'eau m'emporte? Ouais, c'est ce que j'ai envie de me dire. Ah, bon bah plouf alors. Bah, je crois que vous pouvez pas faire autrement. Hein. C'est quoi ça? Ah, un geyser. Est-ce que je peux prendre ça? Non. Ah non, c'est bloqué par des anneaux. C'est nul. Si je vais là-dedans. Ah, je suis coincé en fait, ça sert à rien un truc bleu là si on peut pas y accéder. On va essayer de rentrer normalement. Hein. Pire, je prends un geyser. Voilà. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis paumé. Ah, peut-être pouvoir atteindre le truc bleu, non? Oui. Parfait. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éclairer un peu parce qu'on n'y voit rien, hein? Il y a une plateforme là-bas. Très bien. Ah, des écrits. On va m'expliquer un petit peu où je suis. Très bien. Écrit de Maille. Je reste impressionné par la quantité de minerais requises pour le projet Sablière Noire. Ce n'est pas le minerai pour le reste des tours qu'ils construisent sur Sablière Noire. Celles que j'ai déjà vues sont particulièrement imposantes. Non, tous les matériaux de construction pour cette tour viennent de Sablière Noire.
Le minerai que nous extrayons ici servira à fabriquer une enveloppe protectrice incroyablement épaisse qui scellera physiquement la salle de l'intérieur du noyau de la sablière noire. Donc il y a bien quelque chose au centre de la planète, quoi. Coleus, je suis soulagé que notre clan ait décidé de n'utiliser le minerai d'Atrebois que pour la fabrication de l'enveloppe. Si les formes de vie sur cette planète finissent un jour par se développer, des techniques avancées de métallurgie, je suis convaincu que nous n'aurons pas entravé leur capacité à créer. Oh, quand même un petit peu, non? S'ils comptent sceller la salle avec une enveloppe protectrice, j'espère qu'ils ont pensé à couvrir leurs arrières. C'est-à-dire, je pensais que tu avais interdit les calembours à ton apprenti, Coleus. Et comment ferait-il pour s'améliorer sans ça? D'accord, c'était une vanne. Ouais, le bord mis à jour, très bien. Très très bien. Bon. Bon. Ah, une petite carte. Ça nous permet d'aller voir des choses. Bah, vas-y, montre-nous des choses. On est connecté à qui alors la sablière noire, encore une fois? Ah, et c'est encore eux. C'est pas possible. Il y a plusieurs fois qu'on vient ici, les gens. Et des fois, ils disparaissent, je sais pas pourquoi. On ne voit que le truc. D'accord. Bon, visiblement, ça se passe à sablière, hein, la technologie pour voyager dans le temps. Et ça dit quoi? C'est quoi ça par terre? C'est de la lumière? C'est juste ça, ouais, c'est juste pour faire joli. Ça dit, mes remerciements pour cette dernière livraison, Onéo. Le minerai devrait suffire pour achever le projet Sablière Noire. Lorsque nous aurons achevé l'enveloppe qui protège le générateur, nous assurons qu'il n'y a plus un seul trou. Rami et moi vérifions que les surfaces intérieures et extérieures ne présentent aucune fissure. Ce sera là notre dernier contrôle de sécurité. D'accord. Voilà d'excellentes nouvelles. Puis-je vous passer à proposer une rangée de yeux supplémentaires? J'entends par là les miens. Pour cette inspection finale, si plus rien ne me retient ici, je serai ravi de vous aider. Nous serions reconnaissants de l'aide apportée. Bon, plus nous aurons de yeux, mieux ce sera. La moindre imperfection dans cette enveloppe qui protège le projet Sablière Noire pourrait avoir des conséquences désastreuses. D'accord, c'est juste ça quoi. Il nous montre que c'est encore une fois lié à Sablière Noire. Tout nous renvoie là-bas à chaque fois. Oh. Pas que je viens, non? Je pense. Hein. D'accord. Donc ils ont pillé toutes les ressources de notre planète. Ah super. Attends, ils sont là, ils sont arrivés là avant nous. Hein. Mais comme ils disent, en fait, comme ce sont des nomades, ils aiment pas trop affecter les lieux où ils passent parce qu'ils vont pas rester. Ils sont toujours soucieux quand même de laisser les lieux pour les futures espèces. C'est ici que j'ai sauté, que je me suis fait embarquer. D'accord. Et en bas, il y avait quoi? Rien, pas la lumière. Hein. Bon, bah, j'ai fait le tour de la caverne. Il n'y a l'air de rare, plus rien d'intéressant à part ce qu'on a vu. Donc je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser. On n'aura pas été dans la... on n'aura pas été dans la tour du savoir, mais bon, on aura appris quand même pas mal de choses. Mais surtout, on aura pu enfin se poser sur la lune quantique. Et ça, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on peut se féliciter. Hop, donc je peux sortir d'ici, mais comme vous pouvez l'entendre, la musique est lancée. C'est bientôt la fin de notre univers. Tellement de choses encore à explorer et si peu de temps. Bon, c'est pas grave, on va reboucler. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce, à commenter, partager et à vous abonner, c'est pas fait. On se dit rendez-vous pour un prochain épisode. Allez, à toutes!